Ah ouais, ça y est, tout le monde a oublié le coronavirus. Le corona anus, il va vous péter l'anus. Regardez. Ah, c'est le bordel. Fashion Week. La fête de la musique. Oh là, les frères. Attention à la deuxième vague, les amis. Comme les tsunamis. Dans les tsunamis, le plus dangereux, c'est pas la première vague, c'est la deuxième vague. Appelle Rachid Tsunami et dis-lui de ne pas faire de vagues. Voilà. Avec le déconfinement, il y a Robert Castanier, le mec du gouvernement, il a déclaré qu'il pariait sur l'intelligence des Français. Voilà, il pariait dessus, la vie de ma mère. C'est comme si tu pariais sur Saint-Marin, gagnant face à l'Allemagne. Voilà. C'est comme si tu pariais sur Valère Germain, mais un triplé face à Madrid. Voilà, c'est un pari perdu d'avance, Castanier. Voilà, c'est ça de parier sur l'intelligence des Français. Voilà où nous en sommes, tous dehors, c'est la Fashion Week. Castanier, faut plus parier. Moi, je parie qu'on va avoir des problèmes encore, les gars. Voilà. On va avoir de sérieux problèmes. Et j'y ai. Tout le monde dehors, tout le monde n'a rien à foutre, les gars. Voilà. C'est la fête de la musique. On fait une Oh, oh, monte photo! ton survêt. Le logo, le logo. Ah ouais. Incroyable, j'ai le même. C'est un Et signe. ouais, mon frère! Par contre, restez confinés, faites attention. Ah ouais? Où le masque? Y a pas le masque là. Tu sais que j'arrête pas de te suivre sur Snap. Ah, incroyable ça. T'es un 2005 toi, non? Non, 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 2000. 2000? Ouais. 2000, il va sortir. Ouais, fuck le 2005, c'est petite merde. Alors, ça se passe? Ouais, ça va. Hein, tout le monde dehors. Ouais. Ça va. Confinement, pas confinement, vous avez fait ouais. du sport et tout. Voilà, fait du sport. Vous voulez aller manger quelque chose? Ah, j'ai chaud, les amis. J'ai soif. Oh, j'ai envie de me baigner dans une canette de coca. Ça, c'est mon rêve. Oh là là, tu vois, tu fais une canette. Je rentre dedans, je me baigne. Magnifique. Je bois la tasse. Oh là, mon frère, je bois la tasse. Normal. C'est mon rêve, ça. Et le problème avec nous, les Français, c'est qu'on mélange tout. Oh là, on mélange tout. Là, il y a le déconfinement. Il y a plein de Français qui sortent dehors. Ouais. On va montrer à la bactérie. On va montrer à l'épidémie qu'on est plus forte que elle. Voilà, nous la France, c'est un pays libre, on est en démocratie. Oh, la molécule, elle s'en bat les couilles, t'es en démocratie, en monarchie, en autarcie, en voyoucratie. Elle en a rien à foutre, mon pote. Elle a pas de yeux, elle a pas de cerveau. Eh, viens, la molécule, elle t'encule. C'est tout ce que tu dois savoir, la vie en mer. Il y a plein de Français, ils sont là, ouais. Montrons à la molécule qu'on est solidaire et qu'on n'a pas peur d'elle. On a peur d'elle. Regarde, je flippe, mec. Je flippe. Faut flipper, voilà. Je suis pas finir comme une balle de flipper. Je suis comme une boule de flipper. Bon, hors sujet, mais voilà, les frères. Ne mélangez pas tout. Ne comparez pas le coronavirus au terrorisme. Face au terrorisme, les Français étaient là, restons solidaires. Là, oui. Mais là, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Les gens, ils étaient là, ouais, on retrouvera jamais notre vie d'avant. Oh là, ça va être encore pire. Tout le monde à poil dans les rues. Tout le monde tout nu avec un masque, c'est tout. T'as vu à la fin? Et tu vois, le mec, tu te balades à poil, tes testicules, elles frottent le... Le pire, c'est les gens qui disent, ouais, on retrouvera jamais notre vie d'avant. Alors qu'avant, ils avaient une vie de merde. Voilà, genre ta vie, elle était cool avant. Chômeur, pas de voiture, pas de permis, pas d'amis, pas de petit ami. Pas de compromis, rien, t'avais rien. C'est quoi la vie d'avant? C'est quoi? T'allais au skatepark? Tu faisais du roller? Voilà, c'est quoi ta vie d'avant? Vie d'avant, vie d'après, vie du milieu, vie du futur, ça restera toujours la merde, mes frères. Voilà. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, si vous avez des rêves et vous y croyez vraiment, lâchez l'affaire. Voilà, ne vous accrochez pas, c'est une perte de temps. Voilà, l'Adem, une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie. Les gens qui vous disent ouais, faut y croire, non, faut pas y croire. Perds pas ton temps, hein. Ça marchera jamais. Never. Never. Mon nouveau petit bébé, 1m63. Il est plus grand que les meufs qui s'appellent Léa. Voilà.
à télé. Plus grande que les Manon, les Léa. Les petites Manon, c'est des cabanons, voilà. Plutôt fier de moi, les amis. Celle-là, je vais en prendre soin, les frères. Voilà. Télé spéciale Ligue des Champions. Marseille-Juventus. Marseille-Barcelone. Au Camp Nou. Voilà que ça promet, les frères. Il me fallait de la bonne qualité. J'ai pris du QLED. Quand je prends une télé QLED, tu te fais casser le cul déjà. Et je sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, il m'a expliqué le vendeur. Ouais, je vais vous apprendre une chose sur les télés et je parle en connaissance de cause. C'est l'expérience qui vous parle, les amis. Alors, plus la télé elle est chère et plus elle est facile à monter. Voilà, les amis. Très important. Quand tu prends une télé pas chère, ils te mettent 4000 boulons avec un schéma écrit en grec, en latin dessus. C'est dur à déchiffrer. Mais quand tu prends une télé chère, ils te mettent deux petits vis. Bim, bim, bam, bam, rac, bam, poum, pam, pam. La télé elle est montée. Et elle va se faire démonter aussi. Ouh, amazing life. Habituel, s'ajoute la désinfection du cabinet entre deux rendez-vous et ça a un coût. 34 euros par patient. Une prise de température à l'entrée. Habituel,